Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite hype autour de Forza Horizon 4. Donc, comme vous l'avez vu hier, ou vous n'avez pas eu le temps de le voir, hein, c'est fortement probable parce que la conférence a commencé à 22h01, je tiens à le préciser. Et d'ailleurs, le mec, il est dans les détails, 22h01, frérot, à un millième de seconde, etc. Ouais, non, enfin bref, on s'en fout. Donc, si tu veux comprendre tout ce que j'ai à te dire. Ah, ouais, ok. Il faut que tu restes dans le groupe d'amis si tu veux vraiment comprendre tout ce que j'ai à dire. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans le groupe. Bref. Donc, monte le son, lâche un like, partage à toute la famille, tous les potes, tout ce que tu veux. Même ton animal de compagnie, fais-lui regarder la vidéo. Et tu peux me hashtag sur Twitter, @mrfragmatique. Donc voilà, c'est fait. Je vous mettrai mes réseaux sociaux à partir de maintenant. Parce qu'il y a des personnes qui me le demandent et peut-être qu'il y a des personnes qui veulent voir un petit peu ce que je fais sur d'autres réseaux sociaux, même si c'est pas forcément intéressant. Je fais rien de spécial, mais ça peut vous faire plaisir. Donc voilà. En description, je mettrai le lien de la vidéo où j'ai pu trouver, donc ma source en gros, où j'ai pu trouver ce petit gameplay. Ça nous vient d'IGN. Ça a été rec hier en direct de l'E3. Donc là, c'est vraiment un gameplay à base de chez Gameplay, c'est pas une vidéo de Xbox, voilà, où tu vois pas grand-chose, où tu vois juste une voiture vite fait. Là, c'est vraiment le gameplay. Là, on rentre carrément dans le jeu, on est là, tu vois, direct, on arrive, voilà, on tergiverse plus, tu vois, c'est fini. On est directement dans le jeu, on est dans l'univers Forza, ça rigole plus. On est en Angleterre, j'allais dire à Londres, mais non, parce que dans le gameplay que je vais vous montrer, on n'est pas vraiment à Londres. Donc, ça se situe un petit peu. Je sais pas comment vous expliquer ça. On rentre dans la forêt un petit peu. C'est un petit peu dans la forêt avec du cross, tu vois, avec du. Pas du cross bitume, hein, mais avec du terrain cross. Avec du terrain vague à moitié. Enfin, c'est un peu. Un petit peu ambiance cross, tu vois. C'est un petit peu en mode rallye. Voilà, c'est ça que je voulais dire, en mode rallye. Donc, dans cette course-là, qu'est-ce qu'on fait dans cette course? Donc, comme vous le voyez au gameplay, dans cette course-là, on se bat contre des motos, en façon de parler. On les concurrence. Mais on roule face à des motos. Donc il y a trois motos, c'est cool hein. Moi ça me fait plaisir, on va pas se mentir, je vais pas faire le mec, ouais, ça me casse les couilles. Non, ça change, ça fait plaisir. On a eu avion de chasse, montgolfière, train, buggy ou un truc comme ça, ouais, on a eu un 4x4. Enfin, voilà, là ce qui fait plaisir, c'est qu'ils nous ont mis un autre adversaire, voilà, un deux roues. Mais le seul problème, ce que je crains, c'est que ces deux roues-là, on les verra dans une course, mais c'est tout. On n'en parle plus, on les reverra plus du tout après. Et ça me foutrait le seum. Parce que moi, j'attends les motos, tu vois, tu connais la hype The Crew 2. Il y a des Katoche, il y a des Kawa, j'allais dire des Acra. Il y a des Kawa, il y a des Suzu. Voilà, tu vois, il y a des Ducati. Il y a un petit peu du pilotage qui s'improvise, tu vois ce que je veux dire. Si t'as vu la vidéo où je lève en i avec le petit poteau Lucas, avec le frérot. Voilà, j'aimerais bien faire de même dans FH4, mais apparemment, ça va pas être possible. Ça va juste être une course, un event. Tu le feras une fois, et c'est fait. Tu vois, c'est fini. Après, je sais pas si tu pourras recommencer la course, je pense, mais bon, c'est ce qui aurait été marrant, c'est d'arriver comme ça, de faire un petit rassaut à 12 avec des motos. On est tous en moto, tu vois, on lève en i sur l'autoroute, sur l'autobahn. Je sais pas, ou des délires comme ça, on se fait des petites courses en moto à 12, on lève en i, on fait du cross bitume, on fait des bavettes, enfin, ce genre d'ambiance qu'on va foutre dans The Crew 2, on va foutre le bordel. J'aurais bien aimé le revoir dans FH4. Tu connais, on arrive, on va foutre le bordel direct, c'est sûr. Donc, ça me fout un peu le seum, mais d'un côté, je suis quand même content parce que FH4 va vraiment être beau graphiquement. Ça va quand même être une petite dinguerie, on va pas se mentir. Surtout qu'il y a la Bugatti Chiron, la McLaren Senna et d'autres bolides plutôt dans un level, comment dire, d'hypercar. Donc ça fait plaisir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je suis pas je me dis pas être une source sûre, mais je vous donne les infos que j'arrive à choper par-ci par-là sur l'internet, parce que je me perds un peu des fois. Sur internet, c'est pas faux. Voilà. Donc j'ai vu la vidéo sur la chaîne de Fastlane Gaming qu'il a repris lui-même de chez IGN. Donc voilà. S'il y a des gens qui veulent tout savoir, il n'y a pas de souci. Donc j'espère en tout cas que le gameplay vous aura plu. Il vient pas de moi malheureusement. J'aurais bien aimé être à l'E3. Mais c'est pas le cas. Inch'Allah un jour. Voilà. Ce serait vraiment cool. Ce jour-là, on foutra ce genre de bordel aux États-Unis. Ça, c'est pas un problème pour ça, vous inquiétez pas. Vous serez les premiers au courant. Donc voilà, n'hésitez pas à me follow sur mes autres réseaux sociaux, je les mets dans la desk, si ça peut vous faire plaisir. Voilà, une grosse hype autour des FH4, j'espère qu'on va en savoir plus. Dès que j'en sais plus, je vous tiens au courant, je mettrai une vidéo et puis j'espère que ça vous plaira.
Mince, j'ai tapé dans le micro, désolé. J'espère que ça vous plaira, j'espère que le micro est correct, parce que c'est un casque un peu bas de gamme. Mais on fait avec les moyens du bord. Et voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et vous abonner de partout sur mes réseaux sociaux, monsieur de partout, vous abonner. J'espère que ça vous fera plaisir, c'était Frag et la bise. La team, on est là, 6-9. Sur ce, ciao la bise, les frérots.